Alors donc, on a terminé de former le haut et cette fois-ci, on va entamer donc le bas. Pour cela, on va faire donc je fais toute une rangée à l'endroit en jaune. Ici. Toute une rangée à l'endroit. Je fais aller à l'endroit et retour à l'envers. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Tourne le travail. On repart. L'envers du travail sur toute la rangée. Ici. Ici. On tourne le travail. Cette fois-ci, on fait une maille à l'endroit injecté et on reprend donc la rangée de injecté deux mailles ensemble à l'endroit. On fait la même chose que l'on a fait ici. Une maille lisière. On tourne le travail, on repart l'envers sur toute la rangée. Alors, la suite, je vais faire donc, je fais une maille à l'endroit, deux mailles, trois mailles, quatre mailles, cinq mailles. 6 mailles, je fais une augmentation intercalaire, une maille, fais une augmentation intercalaire, bon, une augmentation, donc après 6 mailles, on fait une augmentation, on fait une, deux, trois, quatre, cinq. Une augmentation intercalaire, une maille, une augmentation intercalaire, fait une, deux, trois, quatre, cinq, une augmentation intercalaire, une maille, une augmentation intercalaire. Une, deux, trois, quatre, cinq, fait une augmentation intercalaire, fait une maille, une augmentation intercalaire, je termine par une, deux, trois, quatre et cinq. Et rangé. Je tourne en travail, je repars à l'endroit sur toute la rangée.
soit à l'endroit sur toute la rangée. Termine. Rangée. Cette fois-ci, on refait encore une autre rangée à l'endroit. On va faire une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers. Termine. Rangée à l'endroit, dans le travail et on repart à l'envers du travail. Et on termine deuxième rangée. Donc on va faire nos augmentations après chaque deux rangées. Cette fois-ci, on repart avec le blanc. Alors, pour ne pas s'embrouiller, on va placer des petits bouts de fil pour marquer donc chaque séparation. Alors, donc avec le jaune, on va monter. Donc première fois, on avait fait 6 mailles plus donc le GT, la maille intercalaire qu'on avait fait, ça va nous donner 7 mailles. Donc 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. D'accord? Si je place, donc, on va toujours on va faire des augmentations avant le marqueur. Donc je fais une augmentation intercalaire, je pose, là je fais une maille à l'endroit, je pose. Je fais une augmentation intercalaire. On avait 5 mailles, donc plus l'augmentation intercalaire de chaque côté, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on peut faire la même chose. Une augmentation intercalaire. J'étais. Une augmentation intercalaire. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation intercalaire. On place marqueur, une maille à l'endroit. Place du bout du fil. On fait une augmentation intercalaire. Une augmentation intercalaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation intercalaire, hein. On pose fil, une maille à l'endroit, pose fil et dernière augmentation intercalaire, 1, 2, 3, 4, 4, 5 et 6. Et on repart à l'envers du travail sur toute la rangée. On termine la rangée à l'endroit et on fait donc une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers et on refait des augmentations jusqu'à ce qu'on aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On aura 11 mailles de chaque côté, 11 mailles au milieu, 11 mailles, 11 mailles. Et ici, on aura, je crois, 10 mailles. Donc, on aura 11 mailles, 11 mailles, 11 mailles, 11 mailles, 11 mailles, 10 mailles. Donc, on va monter deux rangées, deux augmentations pour avoir 11 mailles dans chaque partie. Alors, donc là, j'ai monté deux rangées d'augmentation. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles.
Alors, ce que je vais faire, je fais donc une maille, deux mailles, trois mailles et quatre mailles. D'accord? Ici, je fais une augmentation intercalaire. D'accord? Je pose marqueur, je fais une maille à l'endroit, une augmentation intercalaire. Excusez-moi, je pose d'abord un petit bout de fil, je fais augmentation intercalaire, fais 1, 2, 3 et 4. D'accord? Je refais une augmentation intercalaire, hein? Une maille à l'endroit, une augmentation intercalaire. Alors sur les 11, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, 5, on fait augmentation intercalaire, on pose une maille à l'endroit. On refait une augmentation intercalaire. Vous voyez, donc on va refaire la même chose. Ici, on fait donc, fait 1, 2, 3, 4, 5, augmentation intercalaire, une maille à l'endroit et augmentation intercalaire. Et on refait la même chose. Donc, 5 mailles à l'endroit, augmentation intercalaire. 3, 4, 5, intercalaire, on pose la maille, une maille à l'endroit, augmentation et on fait notre augmentation, intercalaire, on fait 1, 2, 3, 4, 5, augmentation intercalaire, une maille, fait une augmentation intercalaire, fait 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation intercalaire, on pose hein, une maille, on pose. On fait une augmentation intercalaire, fait 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation intercalaire, une maille, fait une augmentation intercalaire. Une augmentation intercalaire, on fait 1, 2, 3, 4 et 5. On place du fil, une augmentation intercalaire. Excusez-moi. Donc, on fait d'abord l'augmentation intercalaire. J'ai failli oublier. Et on place un bout de fil. Ici aussi, on fait une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. On pose. On fait une augmentation intercalaire. Et on termine par deux mailles à l'endroit. Alors, cette fois-ci, on va augmenter de la même manière qu'on a fait. Donc, on va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à ce qu'on ait à une distance bien. Puis, on va voir. Donc, on va seulement augmenter. Après chaque marqueur, on augmente. Avant chaque marqueur, on augmente. Après deux rangées à l'endroit. Alors donc, on va continuer nos augmentations pour former notre robe jusqu'à la fin.